pas forcément une vision du monde. Alors que le fait que la Terre n'est plus au centre du monde, mais tourne autour d'une étoile, qui est elle-même une étoile de banlieue, dans une aux deux tiers du rayon d'une galaxie banale, parmi des milliards et des milliards d'autres galaxies, ça change la vision du monde. Un des chemins est maintenant bloqué par un mur. À cause de ce mystérieux effet tunnel, de cette incertitude sur la position, une particule sur 10 ou une particule sur 100 va franchir le mur et va arriver aux lois de Newton sur la gravitation universelle, expliquant dans une seule loi la chute des pommes sur la Terre et la façon dont la Lune tournait autour de nous. Si un vaisseau spatial circule devant vous à 200 000 km par seconde et qu'il émet un rayon lumineux à 300 000 km par seconde, vitesse de la lumière vers l'arrière, et un autre vers l'avant, eh bien pour masse des étoiles, des planètes, de tous les corps, les masses vont courber l'espace-temps, c'est-à-dire le vide. Quand vous avez une ambulance qui se rapproche de vous, le son qu'elle émet, le pimpon, pimpon, c'est pas le même que le pimpon, pimpon qu'elle va faire en partant. Il y a une distorsion du son parce que les ondes sonores, l'origine est cachée par ce qu'on appelle le mur de Planck. Tout simplement parce que plus vous remontez dans le temps, eh bien, le temps et l'espace disparaissent, ils finissent d'exister, et donc vous ne pouvez plus, évidemment, parler d'un temps et d'un espace puisqu'il n'y en a plus. Et donc, oh, ça disparaît 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang. L'entrée d'un port avec des vagues qui viennent de l'océan. Ces vagues vont, en rentrant dans le port, troubler l'eau du port, la faire bouger dans le prolongement de l'entrée. Mais si l'entrée du port est très petite, très étroite par rapport à la taille, et la lumière va passer par les deux fentes en même temps. Elle va créer une double diffraction basée sur chacune des deux fentes. Et il y aura une interaction.